comme je l'espérais. Il a bien joué son rôle sans même connaître mon plan. L'équipe ne comptait pas sur lui. Mais je savais qu'il allait être aussi charmant qu'à l'accoutumée. Refais ça une fois, connard. Et toi et moi, on va avoir un sérieux problème. Votre équipe a menti à votre sujet, lieutenant. Lieutenant. Ah, c'était si difficile. Enfin, un peu de respect. Vous êtes le sixième homme. Alors pourquoi vouliez-vous cet avion? Vous, les nazis, vous me donnez presque envie de retourner dans le Pacifique. Je veux savoir sur quoi d'autre ils ont menti. Midway 42. Wade avait réussi à se sortir de situations bien plus difficiles. Quand il parlait de Midway, il ne lésinait pas sur les hyperboles. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, il changeait quelques détails. Il ajoutait des zéros ou un porte-avions à son tableau de chasse. Mais j'ai lu les rapports sur cette opération. Les exagérations de Wade n'étaient pas loin de la vérité. Pour rappel, vos objectifs principaux sont deux porte-avions japonais. Les escadrilles VS et VB en prendront chacun un. L'escadrille 6 sera là en soutien. Si la météo reste clémente, on en aura fini en moins de deux. Et alors, nous aurons le contrôle du Pacifique. Maintenant, à vous de jouer. Écoulez-moi ces porte-avions. Comme si c'était pas assez compliqué. Voilà que la guerre du Pacifique en dépend. T'inquiète, Hernandez. Je suis né pour ça. Eh ben, pas moi. La bataille de Midway détruisait les porte-avions. Jeu 42. Ils ont fini de réparer notre appareil ce matin. Il nous attend sur le pont d'envol. Il a un nom. A baptisé l'avion. Notre avion. Et tu m'as rien dit. T'avais qu'à demander. S'était planté sur la position de la flotte. Ils ont pas intérêt. Si la mission est un succès, on entrera dans l'histoire. Ouais, alors, personnellement, je préférais quand même rester en vie, donc si tu pouvais y aller mollo sur les cascades... Les cascades? Tu me fais de la peine. Ce type. Et tu te demandes pourquoi t'as pas encore été promu. Et pourquoi ça, gros malin? Parce que c'est pas le cirque Wade Jackson ici. On est en guerre. On veut juste gagner et rentrer chez nous. Content pour toi de descendre les zéros à mes trousses, moi je me sors de là. Hé, hey, retenez l'ascenseur. Tiens, Jackson. Fais-nous monter! Si on réussit, tu crois qu'on aura droit à combien de médailles, Jackson? Si on réussit, ils fileront nos noms à des médailles, Miller. Bon, essaie de te rappeler qu'on forme une équipe. Et reste en formation cette fois, sinon Davis sera ta peau. Ah, on se traîne en formation. Tu vois ce que je dois supporter? Regarde ça. Quelle belle journée. Espérez que ça dure. C'est l'heure. Faut se mettre au boulot. Notre appareil attend. Parie 10 balles que j'abats plus de 0. Non, pitié, l'encourage pas. Radio pour Sugar 17. Reçu 5 sur 5. La radio fonctionne bien. Hé, hey, c'est l'heure de la visite pré-vol. La vérité découverte à l'arrière. Bon, pour monter. Faut dire ça. C'est bon, gouverne ok. Ok, Jackson, regarde les ailerons. Aile droite, ok. Parfait, maintenant l'aileron gauche. Aile gauche, ok. Bien, fais tourner le moteur, pour être sûr qu'il va pas nous lâcher. Grand rush.
17, ici Tower. La mémorisation des connaît. Bon, maintenant faisons le volet. T'es prêt, Hernandez? Tant qu'on puisse l'être quand on dépend de toi. Allez, c'est parti, pleine puissance! Lâche les freins! Oh, t'as maman que ça part! Nice! Et je t'en supplie, ne fais pas le malin. T'es pas drôle! C'est pas ton tête, drôle du con! Pour monter, descendre, ok. Et sinon, tu comptes me dire comment tu l'as appelé? De quoi tu parles? Bah, de cet avion! T'es encore là-dessus? Qu'on parle sinon. Ah eh bien, reste mystérieux. Au tabac. Ils ont la messe. Tu gardes ça tous les appareils, Victor. Qui n'est pas en formation? Il y a quelque chose qui clash. Oh putain. Whoop. Putain, merde! Ces putains de zéros sont de nulle part! Ils ciblent nos bombardiers torpilleurs! Les chasseurs n'ont pas encore décollé. S-17, chargez-vous de ces appareils ennemis. Laissez-moi faire! Tu couvres nos arrières, Hernandez? Mitrailleuse sortie! Fais pas approcher des bombardiers! Oh! C'est ça, chauffer, ce petit arnaque! T'as trop roussé pour moi! Je suis mis trop de tir! C'est pas évident à chauffer! Charge. On n'est pas très long. Il y en a un là. Ah, c'est déjà chauffé ici. Au travail. Bien joué, les gars. On les a eu. Attention à l'artillerie anti-aérienne, les gars. On approche de la flotte. Oh oh! Attention au projectile traçant. Altitude. Au pied de pied.
Non mais... Il s'adresse pas au tabarnak! What the fuck? Faut que je paye sur... Hein? Oui, il s'en... Comment tu fais, tabarnak? Attention au projectile traçant. C'est carré, là. On se resserre. Tabarnak. Tabarnak! Il y a bien qu'on a réveillé la bête. L'air est saturé de zéro, faut qu'on se dégage au passage. Impossible de prendre de l'altitude sans se faire abattre par les canons anti-aériens. Alors volez pas les gars. Ils font décoller d'autres zéros. Merde, ils sont trop nombreux.
Ouais, c'est compliqué à contrôler. L'escadrille VT ne répond plus. C'est compliqué à chauffer quand on laisse. Aïe aïe! Quand on laisse, c'est pas compliqué, c'est dur à chauffer, c'est terminé. Ah, mais qu'est-ce que ça pète, tabarnak? Si je comprends bien, on est foutu, pas vrai? C'est pas encore notre heure. S-17 à tous les pilotes qui ont encore des bombes. Regroupez-vous et préparez-vous pour le dernier plongeon. Attends, quoi? Montez aussi haut que possible pour le deuxième plongeon. Putain, ils sont derrière nous! Putain, les gars, ils continuent de nous tirer dessus! Maniez-vous! On sera bientôt hors de portée! Oh boy, Oui, par ici. C'est bon, les affaires? Je les vois plus là. Attention, attention! Ah, merde! Bon. S-17, ils sont bien allumés, ça va? Impeccable. 0-3 devant, attention, abattez-les! Ça, on est haut, on est six. Oh, 900. Envoyez d'autres. On sera bientôt prêt à plonger. La flotte est là. Préparez-vous au bombardement. Faut qu'on détruise le deuxième porte-avions. Qui a des bombes? S-18 affirmatif. S-17 en a une, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Ok. S-17, S-18, tout repose sur vous. Placez-vous derrière nous et tirez dès que possible. Limite, non? Juste ce qu'il faut. À tous les appareils, empêchez-les de tirer sur S-17.
Altitude ! Altimètre en service. Alors approche-toi bien ! Je suis touché ! T'es proche ! Jackson, à vous de jouer ! Encore quelques centaines ! Encore un peu ! Soyez vrai. Wade préférait être vu comme un sourdoué plutôt que comme un héros. C'était là son paradoxe. Il était l'un des meilleurs pilotes de cette guerre, mais à son grand âme, il lui fallait une équipe. Menti. On croyait qu'il était mort. Alors allez vous faire foutre. Vraiment. Non ! Bon. Ne vous avisez plus de me mentir. Non ! Mais sans le Führer, on est fichu. Vraiment. De nouvelles informations. Comme vous le soupçonniez, l'Américain était le sixième homme. Mais je crois les avoir enfin brisés. Ça me fait de la peine de voir notre belle patrie souillée. Dans le sale russe qui plus est. Il n'y a plus rien pour nous ici. Pour que le Reich puisse perdurer, il faudra que l'accès à Tempelhof soit sécurisé. Je vous faisais confiance, Richter. Mais vous êtes devenu non essentiel. Quoi ? Non, 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 monsieur ! J'obtiendrai ce qu'il vous faut. Je vous le promets. Vous manquez de temps. Je comprends. Je vais le tuer. Richter est à nos trousses. On n'a plus le temps. J'ai essayé de nous dégoter un avion, mais ça a foiré. Et quand je suis arrivé ici, vous étiez déjà enfermé. Alors j'ai emprunté une bombe rouge et je me suis rendu. On a environ... environ une heure avant que ce mur explose et qu'on foute le camp d'ici. Si on survit jusque-là,
Il n'est pas fiable. C'est qu'un putain de pilote. Pas n'importe quel pilote. Je suis un as. Je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que t'y connais en explosif? Hein? Toi aussi, je t'emmerde. Je vous assure qu'on peut lui faire confiance. Eh ben voilà. Wade est tout à fait capable de nous sortir d'ici, avec les fichiers.